I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. Yo tout le monde, c'est Louis. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur PES 2021 Lille-Brest. Sur ce, bon visionnage. Bonsoir et bienvenue parmi nous. C'est une magnifique soirée vraiment pour jouer au foot. Des conditions de jeu parfaites. Un stade magnifique qui a de nouveau fait le plein. Ce n'était pas une surprise quand on connaît l'amour qui lie les supporters à leur équipe. On a jeté un coup d'œil sur les abords du stade tout à l'heure. C'était noir de monde, des files d'attente interminables. Il y avait déjà une ambiance formidable avec des chants, des sourires. Une ambiance qu'on retrouve maintenant dans ces tribunes. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Si vous nous rejoignez, le coup d'envoi vient juste d'être donné. Le bon dribble. Quel dribbleur, quel artiste avec le ballon. La tête! C'est dégagé. Lille qui voit les rencontres s'enchaîner ces temps-ci. Eh oui, et c'est là. Et il y va! C'est bien, les intentions sont là. Même si c'était encore imprécis, c'est un bon début de match. Il cherche ses attaquants. Et il cède sous la pression pour Ounas. Lesmelou qui est récompensé de son pressing pour filer droit au but. Bien donné, plein axe.
Oui, ça pouvait être dangereux, il fallait impérativement l'arrêter. Brest qui peut avancer, allez. Il y a beaucoup de mouvements sur les côtés, vous ne trouvez pas? Oui, c'est vrai que je me faisais la même réflexion. À mon avis, ils essaient de créer des espaces dans l'axe pour une passe ou une course. Lille qui espère sans doute l'emporter plus largement que lors du dernier match. Brest qui récupère ce ballon. Erel qui allonge. Il tente de la jouer dans l'espace. Ce sera un centre. Il va être trop court pour la récupérer. Philippe Otto. Duverne. La longue passe. Il saute le milieu de terrain directement vers ses attaquants. Ounas. Ça passe à droite. C'est bien, conserver sa lucidité maintenant. Ça va atterrir dans l'axe. Cabella. Lille qui cherche l'ouverture. S'il le trouve, faut que ça va partir vite. C'est joué dans l'espace. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. Cabella. Cabella qui attend peut-être des appels. Si vous nous rejoignez, sachez que vous n'avez manqué aucun but, mais alors aucun. Il décide d'allonger le jeu. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il a trébuché sur cette intervention. Gomez, sanctionné par l'arbitre. Il concède un coup franc. Il y a mis tout son cœur là-dedans, c'est fou, je ne le voyais pas tirer de si loin. Ounas. Oui, ça pourrait passer sur l'aile droite. C'était une bonne intervention. Il a de l'espace. Va-t-il en profiter? Ils obtiennent un coup franc. Voici Ounas. Il file côté droit. Le ballon dans la profondeur. C'est dégagé. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. Quelle passe. Oh, attention. Bonne intervention qui stoppe net ce one-man show. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface, là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Cabella. Il part en solo. Et il poursuit son accélération.
Cabella. Oh, la main ferme. Oh, mais quelle parade! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Oh, il y a danger. Une occasion. La tentative. Quel gardien peut s'estimer heureux de ne pas avoir pris ce but juste avant la mi-temps. Lille qui regagne les vestiaires sans avoir réussi à faire la différence dans ce match. C'est peut-être le moment de faire un peu de coaching. C'est toujours bon pour le moral de terminer la première mi-temps aussi fort. Les joueurs vont devoir revenir maintenant avec le même état d'esprit et continuer sur ce plan. Pas de but, 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. Allez, c'est une nouvelle mi-temps qui commence. Il y a quand même une grosse différence sur le nombre d'occasions. Et je pense qu'avec un peu plus de réussite, ça pourrait faire pencher la balance. Il s'impose physiquement dans ce duel. La faute. C'est allongé. Mounier, bien placé sur ce long ballon. Brest, qui espère sans doute être un peu plus solide défensivement qu'au dernier match où les deux buts encaissés l'avaient privé des trois points. Le tacle. Ouf, un peu d'air. Lesmelou. Duverne. Une longue passe. Bonne interception, il y avait danger. C'est joué dans la... Ça peut être dangereux! À côté! Ah, quel dommage! Il était pourtant en position idéale. La passe en retrait vers son défenseur. Il y a peut-être un coup à jouer. Quel jaillissement! Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Cabella! Il rejoue derrière lui. Il faut frapper là! C'est dégagé, très loin. Oh, c'est chaud! Il est passé. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. Ça joue long. La défense est battue. C'est joué long. Mounier. Lesmelou. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. En retrait pour repartir proprement. Ça joue long vers l'avant. La bonne interception. Long ballon dans le sens du jeu. Pas encore de but inscrit dans cette rencontre, mais ça pourrait changer. Quelle occasion, attention! Pas loin, mais ça ne rentre pas. Eh ben dis donc, c'était chaud. Mmh.
Et c'est donc un changement. Un joueur créatif qui rentre, ce n'est jamais une mauvaise nouvelle pour moi. Un long ballon vers l'avant. Mounier. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Donc il va vite sur ce côté. Dans la profondeur. Bien servi. Oh, la frappe! Oh, il marque! Oh, mais alors quel coup de massue! Et c'est surtout un but qui peut être synonyme de victoire. Il était tellement bien placé, forcément, ça va au fond. Il était au bon endroit, au bon moment. Dès qu'il a reçu cette passe, on savait comment ça allait se terminer. Au fond, défilé! Voilà ce qu'on appelle un coaching gagnant. Et voilà une bonne manière de fêter son entrée en jeu. C'est fabuleux. Un peu de 109 dans les deux équipes. Ah, on devrait voir un petit peu plus de spectacle, de dribble et de vitesse. Bien, ça fait 1-0. Ils sont devant au score, mais il reste encore pas mal de temps dans ce match. Bon service dans la profondeur. La bonne passe. Il repique dans l'axe. En dribble, c'est bien fait. Le bon dribble. Le soutien derrière lui. Là, ils cherchent à tuer le match, c'est normal. Ils veulent vraiment passer ces dernières minutes tranquille. Il est sorti du jeu. Encore un changement, alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors, il valait mieux le sortir maintenant, plutôt que de risquer la blessure. Lesmelou. Bien servi sur le côté. Non, ça ne passe pas aujourd'hui. Il accélère côté droit. C'est une remise en jeu. Un très long ballon. Pour filer droit au but. Bien défendu, c'était chaud. Le ballon est repoussé. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. Dommage, c'était la balle du break. Oh, il a pris des risques, ce sera un coup franc. Mounier. Mais attention, le temps file. Il faut mieux utiliser le ballon. La passe dans la profondeur. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Et il jaillit pour prendre ce ballon. Terrel qui cherche la profondeur. On vit là les derniers instants de cette rencontre. Allez, plus que quelques instants à tenir. C'est une faute, l'arbitre intervient.
l'arbitre siffle la fin du match. Un petit but à l'issue de cette rencontre, c'est largement suffisant pour Fallon Bonheur. Il s'impose. Alors, que retenir de cette rencontre? Eh bien, tout simplement, on gagne, on prend pas de but. Tout le monde est heureux, non? Voilà, Darren, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. À très bientôt, salut. Grégoire, c'est moi qui vous remercie. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous, mettez des likes et activez la cloche de notification. Ciao tout le monde!